Quand on s'appelle Kardashian, autant dire que l'on a la folie des grandeurs. Immense maison, voiture à gogo, vacances de rêve au bout du monde et accessoires et vêtements grand luxe, les Kardashian Jenner n'ont pas de mal à étaler leur richesse aux yeux du monde. Alors quand il s'agit de s'approprier une chose qu'il adore, ils sont prêts à tout. Kim Kardashian la première. La maman de North, Saint, Chicago et Somme, 9, 7, 5 et 3 ans, a montré un très grand intérêt pour un bijou ayant appartenu à Lady Diana en personne. Comme l'a indiqué le site d'enchères Sotheby's, une vente organisée ce mercredi 18 janvier à Londres a été le témoin d'une transaction de Kim Kardashian. Cette dernière a apparemment flashé sur le crucifix d'Atala, un pendentif en forme de croix, incrusté d'améthyste violet et de diamants de 5,25 carats fabriqué par le bijoutier britannique Garrard, que Diana Spencer portait notamment lors d'un gala de charité organisé à Londres en 1987. Et quand Kim aime, elle ne compte pas vraiment. Le prix estimé de la vente a été doublé, la star américaine ayant déboursé la somme de 187 000 euros pour se l'approprier.